Et bonjour les amis, c'est Obélix Solo, nous nous retrouvons pour le 19e épisode de FTB and Hang It. Non, c'est pas ça. Hop, alors, j'avais un petit peu, je laissé passer quelques temps, histoire que ma raffinerie est terminée. Je suis retourné miner, j'ai trouvé 3 diamants, pas grand chose, mais du coup, voilà. Pas mal de redstone que j'ai compacté et encore j'ai pas du tout faire parce que ouais il me reste encore du fer, de l'or, tout ça je l'ai pas encore passé au pulvériseur, mais bon ça attendra. Alors là c'est bon, c'est terminé, donc j'ai arrêté tout, ça s'est vidé, il est vide, donc on avait 160 000 ici et j'en ai obtenu 157 066. Je pense que c'est plus dû à mon manque d'énergie parce que plusieurs fois mon énergie cell s'est vidée, 2 fois je crois, et je pense que c'est ça, il y a de la déperdition plutôt par manque d'énergie à un certain moment, et si j'avais eu de l'énergie constante, je pense, enfin à mon avis, on verra la prochaine fois, je pense que j'aurai un peu plus d'énergie la prochaine fois sur ça. Et on verra si on obtient bien le même résultat. Du coup, ça pour l'instant, je vais le virer, je pense. Toute façon, à terme, ça c'était pour vous montrer. Hein, à terme, je vais le déplacer sur le côté. Je sais pas. Oui, si. J'allais dire, je sais pas si on récupère comme ça. En fait, ce que je vais faire tout simplement une entrée ici. Enfin une sortie ici, une entrée là, ça sera plus simple. Voilà, donc il sera ici au milieu. Maintenant que j'ai de la redstone énergie, enfin de l'énergie, je vais pouvoir faire des énergies conduites en pagaille, donc ce sera plus trop le problème. Donc du coup je vire tout ça pour l'instant. Ça il doit peut-être falloir le virer avec autre chose. Je l'ai pas prise. Hop, ma wrench. Elle est là, on va la prendre en main. Je sais pas si c'est obligatoire de l'enlever avec ça, mais bon. D'ailleurs, je passerai sûrement les câbles dessous là, de ça. Là. Ah non, ça on peut juste le tourner. Ouais, c'est bon. Tac, 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 tac. Et voilà, et puis ça passera, ça partira par dessous. Peut-être que je vais en mettre un deuxième, hein, maintenant que j'ai de la redstone, peut-être j'en mettrai un deuxième, ça fera un peu plus de stockage. Mais aujourd'hui, on va essayer quand même de fabriquer notre MFSU. Pour avoir un peu d'énergie, enfin de l'énergie, je dirais un peu plus... Enfin... un peu plus intéressante. Même je pense que je vais mettre 3 diesel générateurs. Soyons fous. Hop, j'en récupère un. Hop, on va mettre ça à l'arrache pour l'instant ici. Hop. Je sais pas s'il y a des entrées sorties. Non, je pense pas. C'est tout des entrées. Ok. Et donc on va crafter notre MFSU maintenant que j'ai un petit peu de diamants. Donc il est un petit peu long à crafter, il est un peu lourd, mais il nous sera très très utile. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour le MFSU? MFSU. Alors, donc là c'est quand même un stockage beaucoup plus intéressant, mais il est un peu lourd à crafter. Alors il nous faudra déjà 6 lapotrons cristal qui se font avec des energy crystals. Donc ça en fait il m'en faudra 10 energy crystals puisqu'il m'en faut aussi pour faire le MFE qu'on va mettre au milieu. Ok, bon, alors du coup il me faut de la redstone. Ah ben j'aurais peut-être pas du tout, si j'en ai encore un peu là. C'est-à-dire j'aurais pas du tout la compacter. On va mettre 10 au milieu. Tac. On va les entourer comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils se stackent pas. J'oublie tout le temps. Pas être pratique. Hop. Et hop. Voilà.
nous en faut 10. Hop, le reste, je le garde bien précieusement. D'ailleurs, je suis à 36, il faudrait que je me fasse une épée. En plus, j'ai plus d'épée. Comme un idiot, j'ai mon épée looting, j'ai oublié de la... de la passer sur l'enclume et je l'ai perdu. Alors, ça, c'est bon. On va commencer par le MFE. Donc, le MFE, un machine block. Du coup, il nous faudra deux machine blocks, je crois. Ouais. Donc, on va faire deux machine blocks. Des refine iron plate et une wrench. Alors, refine iron plate. Est-ce que... Je vais quand même regarder si j'ai des plates. J'en ai quelques-unes là. Donc, il m'en faut en fait 8 et 8, 16. Est-ce que j'en ai là aussi? Non. Est-ce que j'en ai là-bas? J'ai pas tellement préparé cet épisode. Oh, oh bah j'en ai là, tiens. Allez, on va pas s'embêter. Hop. Alors, ça, comme ça. Refine iron. Ça au milieu. Une machine block, une deuxième machine block. Ok. Ça, c'est bon. Donc, le machine block, c'est ok. Il nous faut 4 gold. Ça, j'en ai peut-être... Ah, j'en ai que 3, bien sûr. J'en ai que 3. Bah, je vais reposer pour l'instant quelques trucs comme ça pour me faire un petit peu de place. Hop. Du coup, du gold. Comme ça, il me faut du rubber. J'en ai... Je vais en faire quelques-uns des câbles, hein, de toute façon. Hop. On va en faire 24. Je les aurai. Ah oui, mais j'ai pas pris assez de rubber. Du coup. Tac. Oh bah je vais en garder quelques-uns comme ça. Donc je dois pouvoir faire mon MFE maintenant. Ah oui, ça marche jamais ça. Tac. 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 Dès qu'il y a des lapotrons, ça veut pas marcher. On en prend un et quatre câbles comme ça. Voilà, j'ai un MFE, le même que j'ai là-bas. 600 000 de stockage. Et là, on va l'upgrader en... Donc, il me faut encore... Ah, ouh. J'aurais pu faire des carbon plates. Tiens, j'ai... Alors, attendez. Carbon plate, est-ce que j'en ai d'avance de ça? Oh, bah j'en ai, tiens. Ça tombe bien. Et des advanced alloy. Est-ce que j'en avais déjà fait d'avance? Je crois pas. Non. Alors, les advanced alloy... Ça se fabrique, je sais jamais. Donc il faut passer ça au compresseur. Ou à la plane blending machine. Tiens, les deux marchent? Ah ouais, tiens. Je savais plus. Alors, du refine iron. Du bronze. Ou alors. Ouais, mais c'est le plus simple. Refine, bronze et de l'étain. Alors, du bronze, est-ce que j'en ai? Du lingot de bronze. Bronze. Donc, il m'en faudra deux. De l'étain, il me semble que j'ai vu des plaques du refine. Donc, deux, je les ai. Et de l'étain, il me semblait que j'en avais quelque part. Je viens de le voir, il me semble. Voilà. Deux. Donc, il faut juste que je passe ça à la plane mending machine. Le bronze. C'est le compresseur, ça. Sorry. Ok. Tac. Tac. Ok. Alors, j'espère que ça va pas me faire le même bug que l'autre fois. Hop. Alors, ça. Refine, bronze et éteint. Alors, on va pas le faire comme ça. Refine. Bronze. Et éteint. Voilà. Un 2 que je vais repasser au compresseur ou à la plane mending machine, du coup, puisque ça marche pour les deux. Advanced alloy. Et une deuxième advanced alloy. Ok. Eh ben, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la machine block avancée. Hop. Donc, machine block. Tac, merci.
à suivre. Donc le MFEG, ça j'ai, et il me faut juste un advanced circuit. Donc il se fait pas très compliqué. Allez, je vais poser un peu tout ça. Ça, j'en ai plus besoin. Bon, il n'y a pas grand chose de ce que j'ai plus besoin. Du coup, de ça, de la redstone, j'en ai. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? De la glowstone, je crois. Et ça. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est ça. Qu'est-ce qui manque? Voilà, du refine et un electronic circuit. Alors, ça. Vas-y, pépère. Voilà, un comme ça. Et ben. Ah non, mince, il faut que je passe ceux-là. Alors, faut que je récupère mes 4. Où je les ai mis? Là. Du coup, on va poser un petit peu tout ça pour l'instant. Tout ce qui m'embarrasse. Bah, plus grand chose qui m'embarrasse. Ok, et chacun en fait devient des lapotrons cristal. Oh, ah oui, d'accord. Donc là, il faut ça et donc deux électroniques. Donc il me faudra 12 électroniques circuits. Ah ouais, c'est là où ça devient cher parce que du coup, il me faudra des copper cables en masse là. Le reste, ça sera pas trop un problème, mais ça sera les copper cables qu'il faut que je fasse. Le copper, j'en ai quand même pas mal. Est-ce qu'il m'en reste des copper cables par là? Non. Non, il me semblait pas de toute façon. Donc, ok. Ok. Alors, copper cable. On va en faire quand même pas mal. Allez, bof, allez, de toute façon. Hop. Et voilà. Tac. Et on le pose ici, là, le reste j'en ai, donc j'ai dit qu'il m'en fallait 12, bah ça doit être bon, ouais, ah non j'aurais peut-être pas assez de copper cable finalement, eh oui, eh oui, logique, donc un peu mieux de copper, bah finalement le copper j'en ai pas tant, ah mais si j'ai encore 19 blocs, c'est vrai que j'ai commencé à les basculer en bloc et je commençais à avoir peur là, je disais mais j'en ai pas tant que ça du copper. Alors on va en faire encore. Il va manquer de la rubber que j'ai pas pris. J'espère que j'en ai beaucoup d'avant. Non, faudrait que j'en fasse recuire un peu de ça, parce que vous voyez ça part quand même assez vite le rubber. Hein. Allez, tac. Hop. Du coup, on replace celle-là et deux plus. Faudra que je refasse. Pourquoi il me reste ça? Ah oui, mais il me le faut celui-là. Ok. Qu'est-ce qu'il faudra que je refasse? Des plaques d'étain, je crois. Non, de refine. Bon, ça, je le ferai hors cam. Ok. Alors, ben, maintenant, je pense que on va pouvoir faire tous nos lapotrons. Allez. Donc, ça comme ça, ça comme ça. Ça comme ça et ça comme ça et je vais placer chaque comme ça. Donc là vous voyez c'est des énergies transportables de 100 de 1 million pardon. Donc c'est déjà pas mal hein. Ok mince je les ai pas tous pris sur moi, il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, ah il m'en manque un, zut, ça va tout partir, dommage. Hop il est là. Et ben on recommence, ça au milieu, ça et ça comme ça, et ça comme ça. Ouh. Et ben, c'est quand même assez cher. Hein. Et ben ça marche pas bien sûr, donc ça, 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 le MFE au centre, le machine block en bas, et l'advanced circuit. Ouh. Ah, il me dit rien là, j'aurais pensé qu'il allait me dire un petit quelque chose là, more power ou savoir quoi. Et puis ben, on va le placer par...
ça va être un peu le souci, c'est où est-ce que je vais le placer. Bon, pour l'instant, vous savez pas, il sera là en... Ah bon, 10 millions de stockage, avec un out de 512. Attention, hein, attention, attention, on ne faut pas y mettre une machine derrière. Surtout pas. Et ça, bah, ça sort du 32, logique. Oh, remarquez, maintenant, j'ai des câbles en or. Je vais passer un câble en or directos. Clac. Eh bien, on peut lancer Pépère. Du coup, il faut que je remette une torche de redstone. Et un redstone engine. Je vais mettre un levier, ça fait plus propre quand même. Voilà. Et puis, on va démarrer tout ça. On va bien voir. Tac. Est-ce que je peux le mettre? Alors, des fois, on peut les mettre, des fois, on peut pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, si, c'est bon. Tac. Allez. Fais bouillave. Yes. Bon, ça sera pas rapide, hein, mais... Là, l'intérêt, c'est que chaque bucket va nous produire 384 EU. Chaque bucket. Par contre, à 12 EU par tick, donc chaque tick, il envoie 12 EU. Donc, c'est pas vilain. Regardez, déjà, ça se remplit relativement vite. Est-ce que j'ai besoin réellement de trois générateurs? C'est pas ce que ça coûte, hein, les diesel générateurs. Je l'avais regardé tout à l'heure, c'est pas excessif. Diesel générateur, deux électroniques circuits. Oh, remarquez, on peut bien en faire au moins un deuxième. Hein. Peut-être c'est le refine qui va me manquer. Du refine. Ouais, allez, tiens, on va en faire peut-être un deuxième, ça ira un tout petit peu plus vite. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Alors. Oh, mon clavier qui est... Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis bloqué. Ah ouais. Bon, ben, je fais une petite coupure et je reviens quand j'ai déplanté tout ça. Alors. Voilà, j'ai relancé un petit peu, j'ai eu un petit problème de clavier. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit du coup? On en était où? J'avais dit diesel générateur, donc 5 refine, un générateur de électronique circuit. Alors, je vais déjà voir les deux électroniques circuit. Ah oui, mais donc c'est de refine qui me manque. Des refine, j'en ai là. Hop. Oh, mais j'ai un problème avec ce clavier. Moi, j'ai l'impression qu'il déconnecte en USB. Alors, on va faire quelques plate bending machine. Quelques plaques. Tac. Moi, j'allais dire pourquoi il s'arrête, lui. Il va pas s'arrêter. Je vais pas regarder comme il m'en fallait, du coup. 5, 6, je crois. Oh, remarquez, je vais en refaire quelques-unes parce qu'il m'en faudra d'autres pour... Ouais, il m'en faudra d'autres de toute façon. Alors là, je vais faire l'ancienne. Le four. Hop, je suis... Hop, c'est mieux là. Je suis économe même sur le fer, même si j'en ai en masse maintenant. Hop. Tac, 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 tac. Un four électrique. Il me faut comme ça. Bien sûr, il me manque de l'étain. Oh. Bon, vraiment, je commence à faire des stacks entiers de plaques parce que de toute façon... J'en aurais besoin pour beaucoup de choses hein, maintenant. Hein. C'est beaucoup des plaques qu'il nous faut. Donc, allez. Ouais, bah là c'est bon, je dois voir ce qu'il faut. Tac, bon, voilà. Qu'est-ce que je vais faire du temps?
ça je vais le poser là, je vais faire ça, j'ai dit qu'il m'en fallait deux, bah j'ai déjà plus de câbles, vous voyez, pas une allure ça, ok, donc ça, ça, et pour terminer le générateur, bah c'est bon, je dois tout avoir, donc le générateur classique comme ça. Ah ben non, j'ai pas les plaques d'état. Non, j'ai pas fait la batterie. J'avais pas les plaques d'état. Allez, ça suffit. Oh, remarquez. Allez, hop là aussi. J'en ai pas mal d'état. On va les faire. Hop. Je m'y perds. Voilà, ça. La rebatterie. Ah, mais si, je l'avais faite. J'en avais une en bas. Bon, pas grave. Tac. Alors, rebat. 3 refined et 1 iron qui font ça. Et ben maintenant j'ai tout pour faire le diesel générateur. Non, du coup j'ai reposé mes plaques là-bas. Pouh. Ok. Allez. Tac. Et tac. Voilà. On n'en fait qu'un deuxième pour l'instant. On va bien voir. Pof. On va l'alimenter. Idem. Ça, ouais, oh, tu, ça va vite quand même. Ça va vite. Alors, est-ce que ça pompe beaucoup là? Oh, ça va bien vite pour le pomper quand même. Il y avait 157, il y en a déjà plus que 141. 384 tous les 12 ticks. Alors, remarquez, un tic c'est rapide, hein, c'est pas. Ouais. Non, mais bon, l'idée c'est. De toute façon, je sais où il y a un peu plus de. Enfin, c'est pas un geyser comme j'avais trouvé là-bas. Mais il y a deux endroits là que je connais où il y a de l'huile qui sont vers le désert là-bas et plutôt dans la forêt derrière. C'est des mares, mais bon, autant les prendre, hein, ça sera toujours ça, on va le mettre là, et puis je vais déplacer maintenant ma raffinerie par ici, même carrément au milieu d'ailleurs. Ouais, je vais juste faire une pipe qui va partir directement d'ici, puis qui rentrera là automatiquement, et puis voilà, ça sera fait. Ça sera fait, comme ça on en aura toujours un peu plus, soit du coup j'en ai pas besoin, je sais pas si je vais rajouter un troisième moteur. L'utilité elle est peut-être pas très intéressante. Ouais, mais vous voyez, remarquez, bon, ça charge vite. À mon avis, on va pas le remplir. Hein. Ouf, quoi que remarquez. On va bien voir. Hein. Là aussi, je vais bien voir. Mais là, ça va nous faire un beau stockage. Beau stockage. Et puis bah voilà pour cet épisode. Je vais laisser tourner tout ça. Je vais sûrement mettre mes. À tourner une autre arrivée d'huile, refaire un petit peu tout ça propre, et puis on se retrouve après pour voir ce qu'on va pouvoir faire un peu de cette énergie là. Allez, sur ce les amis, à plus.